petite vidéo pour vous montrer un peu le processus de brassage d'une bière. Donc voilà, c'est un atelier que j'aimerais bien faire à la Houblonnière. Donc c'est pour vous donner un peu l'envie et voir un peu ce que je sais faire, pour vous montrer un peu ce que je sais faire, parce que faut que je me fasse connaître aussi. Et donc voilà, j'espère que vous allez regarder la vidéo jusqu'au bout, parce que c'est quand même intéressant. J'ai dit quand même plein de petites choses, de petits trucs et astuces, comme je viens de dire. Et donc voilà, et bien, bon visionnage et à la prochaine. Alors, première étape, déjà, c'est de mettre de l'eau dans ta cuve. Bon, maintenant, la deuxième étape, c'est de peser et de concasser les grains. Donc là, moi, aujourd'hui, on va utiliser du Vienna et du Pilsen pour faire une petite bière simple. Pas trop de chichi avec moi et donc voilà, ben, je vais me mettre en route. Donc j'ai la balance, ok. D'abord comme je sais qu'il me faut 5 kg, donc là avant ben, j'ai mis l'eau dans la cuve, j'ai mis 20 litres d'eau parce que je vais utiliser 10 kg de grains. Donc moi généralement ben, je fais x2 quoi. x2 la quantité de grains pour le litrage de l'eau d'empattage. Donc voilà. Bon, allez. On met mon concassage un peu trop fin. Donc, je règle. Là, ça fait ça. Donc, ça me paraît assez bon. Voilà, notre grain est concassé. Hop. On a 10 kg de grains concassés. Donc maintenant, ben, on va aller mettre tout dans l'eau d'empattage. Donc on incorpore le grain concassé tout doucement. Ouais, je fais ça. Je mets un quart. Après avec le fourquet, ben, on brasse quoi. On est ici pour brasser. Donc, pour ne pas avoir peur de remuer notre grain. Vraiment que ça soit homogène. Parce que comme on a deux sortes de grains, ben, voilà. Pour ne pas avoir une partie dans le fond que de Vienna et l'autre partie. Faut que ça soit bien homogène. On continue avec notre grain. Hop, là j'en ai mis un peu trop à la fois. Là on coupe. Hop. Juste un truc chiant avec les trucs comme ça, c'est que ça bouge dans tous les sens dès qu'on veut un peu. Le grain est encore trop sec. On va essayer de rechercher toute l'eau. Évidemment, comme on a une matière sèche, ben, ça pompe vite l'eau. J'ai l'impression que j'ai quand même beaucoup de farine. J'espère que ça ne va pas tout boucher. On lancera la pompe un peu pour remouiller un peu tout là-dessus. Hop, je vais allumer direct. Comme ça, on mouille bien tout. C'est bien homogène. Ça c'est pour le grain que pour. Là je ferme un peu mon robinet parce que sinon ça va trop vite aller. Et après j'aurai plus de liquide dans le fond de la cuve.
Donc le palier c'est nickel, on est bon. Je vais mettre mon petit couvercle là, si elle veut bien se mettre. Voilà. Passer ce truc là. J'essaie d'écraser un peu le gâteau comme ça. On va remettre la pompe en route. Je fais ça parce que voilà, c'est pas top top au niveau humidification du mou. Donc là je remplis d'eau pour que ça soit bien comme ça je suis sûr qu'il y ait toujours de l'eau sur mon gâteau quoi. Donc après je diminue l'arrivée d'eau, hop, dans mon ma cuve n'est pas de niveau. Voilà, top, top, top. Est-ce que je mettrai le couvercle là? Je ne sais jamais quand il faut mettre le couvercle. L'empotage est terminé. Maintenant, je vais soulever ma cuve filtre pour pouvoir faire la filtration. Dans un premier temps, je ne lève pas jusqu'au dessus. Comme ça, je vais remplir d'eau. Bon, maintenant pour la quantité d'eau de filtration, normalement je vais mettre une dizaine de litres. Mais moi ce que je fais c'est que je prends ma densité à chaque étape quoi. Comme ça ben, je vois et comme ça ben, je suis plus précis que les, je me dis que je vais mettre 15 litres d'eau de rinçage. C'est certain, puis il m'en faudrait que 12 pour arriver à la densité que j'ai envie. Donc voilà, je remplis d'eau. Après un certain moment, je laisse filtrer. Et après, je prends une densité. Je vois où est-ce que j'en suis. Après, je continue si je veux continuer. Et il ne faut jamais que le gâteau soit sec. Sec, sinon après ça va faire un mauvais filtrage et faut pas non plus qu'il soit trop submergé. Là comme j'ai mon couvercle filtrant au-dessus de mes drèches, je verse l'eau comme ça parce que j'ai pas mis mon couvercle filtrant vraiment au niveau des drèches, je vais laisser un peu surélevé. Comme ça, l'eau passe par tous les petits trous. Et comme ça, j'ai pas de cheminée de rinçage. Quoi. Donc, le problème des cheminées de rinçage, ça forme vraiment un tunnel pour que l'eau passe. Après, l'eau passe par là et ça ne rince pas toutes les drèches uniformément. Et voilà, dernière cruche. Là, je suis bon, j'ai de l'eau au-dessus de mes drèches, ça s'écoule bien, on entend bien que ça s'écoule très bien. Apparemment j'aurais dû peut-être refiltrer avec du mou pour essayer d'enlever le maximum d'impureté, mais là comme j'ai fait recycler à chaque fois mon mou pendant l'empaquetage, je pense que ça devrait être bon. De toute façon, moi je ne suis pas pour les bières vraiment translucides, bien. Moi j'aime bien un peu de trouble. Donc voilà. Et ben voilà, on va déjà prendre la densité ici sur le mou qu'on a prélevé en premier lieu. Donc on prend notre petit densimètre. On le fait tourner, on essaie qu'il reste bien droit. Maintenant, vous n'allez sûrement pas voir la graduation. Mais là, d'ici, je vois que on est à 1048, à mon avis, et on doit avoir 1041. Donc voilà, j'ai remis déjà un peu d'eau pour filtrer.
Et on reprendrait une mesure alors. Et bien, deuxième prise de densité, je vais y arriver, hein. Blop, blop, blop. Attends, j'ai pas encore bu, hein. Il n'est pas encore midi. Donc, on mange notre petit bigorneau. Ah non, il est 11h30. Alors, qu'est-ce que ça dit, du coup, maintenant? Voilà, du coup on est un petit peu trop bas, donc je vais le noter sur ma recette. On est à 1,038. Ouais. Ouais, ça va, ça devrait passer. On était peut-être mieux tout à l'heure, je pense. J'aurais dû laisser comme c'était, mais bon. Je n'avais que 35 litres de bière et ça me fait chier d'avoir une cuve de 42 litres. Ben voilà, on est à l'étape de la montée en température pour l'ébullition. Moi je vais vous montrer un petit truc. Vous le prenez, c'est pas obligatoire. Mais voilà. Vous voyez ici au-dessus de la cuve, je ne sais pas si vous allez voir. Mais il y a du genre de mousse écume. Il y a des gens qui l'enlèvent, d'autres qui la laissent. Moi, ce que je vais faire, je vais en enlever une partie parce que j'aimerais bien avoir une bonne mousse qui reste bien longtemps. Donc une mousse, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est vraiment le mélange entre les protéines et le CO2 qui va faire que la mousse reste assez assez compacte. Moi j'aime bien quand il y a une bonne mousse, une belle mousse. Donc voilà, je vais en enlever un petit peu. C'était juste pour histoire de vous montrer. Mais voilà, c'est pas obligatoire. En plus là, mon mou n'est pas encore assez chaud. Donc ça me tient dans la petite facette. Voilà, c'est peut-être un signe pour dire que je ne dois pas le faire. C'est vrai que si vous le goûtez comme ça, ben c'est vrai que c'est fort, fort amer et assez costaud en bouche. Ah bon, après, voilà, comme je vous dis, hein, si vous voulez une belle mousse, je pense qu'il ne faut même pas l'enlever. Donc moi je vais m'arrêter là, pour cette partie-là. Et je vais laisser monter en température tout doucement jusqu'à l'ébullition. Et après, ben, on continuera. Et ben voilà, on est au stade de l'ébullition, donc une heure d'ébullition. Là je vais mettre le houblon 10 minutes avant la fin. Je vais mettre 60 grammes de houblon à la fin. Et ben voilà, maintenant c'est l'étape du houblonnage. Donc moi je ne mets jamais de houblon amérisant, donc je n'en mets jamais au début du processus. Parce que sinon voilà, je trouve qu'on perd le goût du houblon. Moi, ce que je recherche vraiment dans la bière, c'est vraiment développer les arômes du houblon, quoi. Donc là, eh ben, il me reste 10 minutes d'ébullition. Ben, généralement, je le mets tout le temps maintenant. Je mets tout mon houblon maintenant. Donc là, il y a 70 grammes de... Qu'est-ce que j'ai mis? Le cachemire. Le cachemire, c'est un excellent houblon. Je pense qu'avec la bière fruitée, ça pourrait aller à tester. On va tester ça. Donc voilà, le houblon est mis. Ah, quelle odeur, quoi. Waouh, ouais. Ben voilà, maintenant c'est
ça finit. Donc maintenant on passe à l'étape du whirlpool, donc faire un tourbillon, un beau tourbillon pour précipiter tout ce qui est protéines et déchets vers le fond et le centre de la cuve. Un petit conseil aussi, si vous voulez garder tout ce qui est aromatique de bouillon, bah vous fermez votre cuve, vous faites votre whirlpool et vous mettez la dose de houblon aromatique que vous voulez mettre à ce moment-ci. Comme ça, bah, le houblon ne cuit pas. Il dégage vraiment tout ce qui est aromatique. C'est comme le thé, quoi. Le thé, si vous le laissez trop longtemps infuser, eh ben, il devient amer et il devient pas bon. Donc, que ce soit le thé ou le poivre, tout ce qui est épice, il faut toujours le mettre le moins longtemps possible dans son jus, dans l'eau chaude, quoi, je vais y arriver. Et donc voilà, là et ben on laisse comme ça, je vais remettre le couvercle, le finish, parce que tantôt ça a fait. Donc là, ben, on garde vraiment tout ce qui est aromatique dans la bière. Et ben voilà, maintenant là on arrive vraiment au moment le plus crucial, parce que le refroidissement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que ça aille vite. Il faut faire attention que tous nos tuyaux soient branchés, histoire de ne pas se retrouver avec 20 litres de bière hors de la cuve de fermentation. Ça m'est déjà arrivé quand j'avais la tête ailleurs. J'avais bu peut-être une bière entre eux, je ne sais pas. J'étais en train de racler, je me dis mais qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça devient? Et en fait j'avais le tuyau ici qui avait sauté et tout qui coulait. Et je n'avais pas fait attention parce que le robinet n'était pas face à moi, donc je ne l'avais pas vu. Et moi comme un con, j'ai balayé 20 litres de bière comme ça. Donc voilà, toujours faire attention à ça. Et ben voilà, on va démarrer tout ça. Là, je vais prendre. Je vais essayer de faire ça proprement, hein. Parce que, hein. Sinon, on va. Là. Toujours avoir une bassine ou deux tout près. Comme ça, on essaye de récupérer le maximum d'eau. L'eau chaude, parce qu'évidemment l'eau qui sort d'ici est chaude. Vous voyez mes grosses têtes. Voilà, comme ça on rince déjà une partie du matériel avec l'eau qui coule. Voilà. On rince bien tout. Du processus, enfin, surtout si on le fait comme ça, un peu vite comme moi, c'est la première fois que je le fais dehors. Donc voilà, c'est chaud, j'ai des plantes à côté que je dois arroser. Et voilà, je regarde bien si tout là ne saute, il n'y a pas un truc qui saute quelque part. Je vais essayer de mettre ça plus loin. Donc mon petit tuyau là est bon, ça se remplit tout doucement. Le mou qui passe ici est froid évidemment, celui-là est hyper chaud, donc ça va, pour le moment il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Je vais commencer à rincer tous mes brôles, à récupérer ma semaine d'eau, et à laisser faire pour que... Waouh, c'est chaud, coup de balle de merde. Et voilà, je vais enlever la pluie. Électricité plus haute, c'est pas du tout pour payer. On va le mettre là. Là c'est chaud, donc ça ne va pas rentrer en contact, sinon ça va fondre. Et voilà. Vas-y, valou. Mika. Voilà, ça va se faire tout doucement. Donc moi je dois toujours contrôler quand même, parce que
il y a un moment où la gravité ne va plus faire effet. Ah bon, j'ai... Allez, vraiment ça devrait aller. Hein. On va voir. Et ben voilà, ça commence à se finir, il reste 5 litres à refroidir. Donc là, il nous a fallu... Nous a fallu un quart d'heure, donc c'est un bon rendement au niveau pour refroidir, parce que j'avais quand même 42 litres, j'ai quand même 42 litres, donc c'est pas mal. Moi, je suis assez content de mon refroidissement. Donc voilà, niveau des fermentations, là à mon avis je vais partir sur 5 à 7 jours de première fermentation. Après on mettra le sirop de fruits de Thibaut et après on laissera encore une dizaine de jours en... Allez, normalement 5 jours ça pourrait passer si je le mettais dans un frigo, mais là à mon avis j'ai pas la place dans les frigos, donc je vais devoir faire la deuxième fermentation assez haute en température, donc voilà. Niveau de la levure, j'ai utilisé de la S05, voilà, c'est la plus courante, elle marche très bien, et donc voilà. Et ben je vous dis au revoir, bon brassage, et amusez-vous bien.